Coucou, c'est votre Nova Nova de Bruxelles. J'ai dit que Jessie J, encore avec ses vieilles robières. Avec ses vieilles robières. Avec ses vieilles monopolisées encore. Une histoire de pétou dans le téléphone. J'ai dit que les vieilles, là, vous avez quel problème? Hein? La soi-disant coach Mbrakatra, et c'est même pas ce coach de quoi? Elle coach les gens en quoi? Bon, toi, tu n'es pas marié. À 62 ans, tu n'es pas marié. Tu es célibataire. C'est-à-dire que tu traînes dans le téléphone des enfants, de tes petits-enfants. Toi aussi, tu vas t'appeler coach. Tu coaches quoi? Tu es coaching en quoi? Coaching en frappement d'Aoko? Coaching pour écarter dans le téléphone de tes petits-enfants? Pourquoi vous n'avez pas de dignité, vous les vieilles là, les vieilles monopolisées des réseaux sociaux là? Pourquoi vous n'avez pas de dignité? Hein? Pourquoi vous ne vous faites pas respecter? Quand je vous dis allez-y vous occuper de vos petits-enfants là, vous pensez que je vous fais du mal? Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous. Quand je vous dis allez-y vous occuper de vos petits-enfants là, c'est à cause de vos respects. Parce que vous êtes les réseaux sociaux là. Ce n'est pas pour donner un conseil, hein, mais c'est pour nous coigner. C'est-à-dire que vous êtes des coigneuses de tête. Aujourd'hui, là, on dit votre pétou traîne dans le téléphone de Jessie. Et Jessie aussi, c'est malédiction ou bien? Jessie, pour toi, là, c'est malédiction. Ou bien les vieilles, là, t'ont maudit. Hein? C'est toi, toujours, on trouve pétou des vieilles, là, dans ton téléphone. C'est toi, toujours, les vieilles, là, viennent te montrer leur pétou. C'est toi, toujours, tu as calé son des vieilles femmes dans ton téléphone. C'est une malédiction. C'est une malédiction. On peut s'attirer la maudition si ça vit comme ça. Hein? C'est le nom de Francine Ba qui est gâté. Hein? C'est le nom de Francine Ba. Il y a les vieilles là. Les vieilles coagulées là. Elles sont remplies. C'est-à-dire qu'elles sont sur Facebook là. C'est pour aller écarter les bétous là dans le téléphone des jeunes blogueurs, des petits blogueurs là. Coaching Brakata, on ne pleure pas. Oui, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Tu étais content qu'on parlait de Francine Ba, déjà tu étais jalouse de Francine Ba, déjà tu faisais rivalité avec Francine Ba, Adama. Déjà, vous êtes beaucoup dans le noir à le montrer votre pétou à Jessie. Et vous venez vous asseoir aussi pour se moquer de Francine Ba. Vous venez vous asseoir pour l'insulter. Déjà, c'était une histoire de jalousie. Déjà, c'était une histoire de jalousie. Toi, avec ton rossignol, bien rossignol gay, là. Rossignol gay, même là. Elle était déjà même amoureuse de Jessie. Dans l'histoire de télé-réalité, là. À cause de Jessie, elle voulait aller dans télé-réalité. Oui, à cause de Jessie, elle voulait aller dans télé-réalité. Maintenant qu'ils avaient enlevé son nom dans l'histoire de télé-réalité, elle a commencé à faire loup funéraire pour nous donner ici. Elle a commencé à faire loup pleurage. Pourquoi ils n'ont pas mis dans télé-réalité? Elle a acheté son maillot de pain rose bonbon. Pourquoi? Il y a tout ça là à cause de Jessie J. On peut faire ça? On peut faire ça? On peut faire ça? Hein? Pourquoi vous ne vous faites pas respecter? Déjà pour vous, c'est-à-dire qu'il y a placard, il y a cadavre dans votre placard. Il y a cadavre dans votre placard. Et puis c'est pour Francine Bala que nous on voyait. Votre placard est pourri. Et puis c'est pour Francine Bala. Vous parlez de ça. Pourtant vous-même là, vous partez frapper à Oko les vieilles. Eh Seigneur. Des vieilles monopolisées remplies de coagulation. Elles sont tellement coagulées. Et vous êtes tellement coagulées que vous traînez dans le téléphone de Jessie. Ah, la honte. On ne pleure pas. Oh. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. C'est que si j'ai bien compris tout ce que l'homme Gugu a montré là, ça doit être tout de cette coaching Brakata qui ne se fait pas respecter là. Oui, de cette coaching Brakata qui ne connaît pas sa place, qui ne se fait pas respecter, qui traîne dans le téléphone des petits blogueurs là. Comme ça. La honte. Quand je suis blogueuse, quand je suis ceci, quand je suis coach. Coach de quoi? Coach de quoi? Toi-même, tu es célibataire, tu dois coacher les gens. Toi-même, tu n'as pas mari. Hein?
Tu n'as pas marié à 62 ans, tu traînes sur Facebook, en train dans les inbox, tes petits garçons, là, tes petits enfants, là, en train de te les montrer tes bêtous. Toi, tu t'es venu t'appeler coach. Coach de quoi? Tu coaches qui? Hein? Coach Mrakata. Une coigneuse des coigneuses était toujours en train d'insulter. Hein? Les aide-moi à détester. Vous, des vieilles comme ça, qui devaient donner conseil aux petites filles, mais c'est vous qui faites des bêtises. Voilà maintenant, vous manque de respect. Ah oui, c'est à votre tour. Ah, c'est à votre tour. Ne venez pas nous dire que non, Jesse est en train de mentir. Ah oui, hein, parce que pour Francine Bala, vous avez pris ça pour charger. Pour Francine Bala, vous avez pris ça pour charger ici. Maintenant, c'est à votre tour. On ne pleure pas. On ne pleure pas, la coach Mbrakata. Il faut la voir arrêter là-bas, Zach Blantin de parler jusqu'à tout nerf de cou, là, ça tire comme ça. On peut faire ça? Hein? En train de parler de sa camarade femme. On entend humilier toi, ta camarade femme. Toi, tu prends plaisir, oui. Toi, tu es contente du fait qu'on humilie ta camarade femme. Tu es contente tout simplement parce que tu es jalouse. Parce que vous êtes dans la même casserole. Parce que tu es en train de faire la rivalité. Oui, oui. Parce que tu fais la rivalité avec Francine Ba. Raison pour laquelle quand tu es arrêté là-bas, tu parles. Voilà tout nerf là. Adam, on peut avoir nerf comme ça. Comment femme? Femme peut parler. Puis il y a nerf là, ça sort comme ça. Son cou là, ça s'étire comme ça. Hein? Gars, c'est Jesse qui est votre. Il est votre décoisseur. Jesse est votre décoisseur. C'est lui qui vous décoisse. Parce que vous êtes tellement coagulé. Hein? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous cherchez les petits garçons. Il faut les voir maintenant. Hein? Il faut les voir maintenant. Moi, comme ça, peut-être les petits, genre les petits habits de côté pour venir séduire Jesse. Genre, il faut voir l'autre aussi. Loup perruque, les perruques du là. Toi, tu es aux États-Unis ou bien, je ne sais pas, à Londres ou bien où là. Où il y a les vraies perruques là. Mais on ne sait même pas toujours où elle ramasse ces loup perruques du comme ça. Voilà maquillage aussi qui va à gauche. C'est-à-dire qu'elle, son visage à gauche et puis maquillage à droite. Elle force maquillage là jusqu'à toi à 62 ans. Tu es encore persil. Hein? Tu viens même persil encore en bas de tes lèvres. Vous allez chercher les petits garçons. Hein? Une vieille à 62 ans qui a encore persil en bas de ses lèvres. Ce n'est pas pour aller chercher les petits garçons. Maintenant, on te dit que ton pétou est dans le téléphone. On dit qu'ils ont vu ton pétou blanc, avec rempli de poils blancs. Hein? Bien béraillé. Eh, Adama, je suis aussi des. Hein? Dieu vous a loupé. Vous savez que ça, sa bouche est sale. Vous savez que c'est quelqu'un là, il s'en fout, ça sort comme ça sort. Il vous a loupé. Vous, voilà la honte maintenant. Regarde comment il est en train de vous humilier. C'est bien fait. On dit ce qui arrive à Marc Lacla là. Ça peut arriver à Marc Loco. Hein? Ils sont en train d'humilier. C'est-à-dire que votre camarade femme est en train d'être humiliée. Et vous êtes content. Et vous applaudissez. Et puis vous l'insultez. Maintenant, c'est à votre tour. C'est pas mensonge, hein? C'est vrai. Quand tu me bracata. Jesse, il t'a. C'est-à-dire que il t'a mon goût. C'est de ça qu'il s'agit. Tu envoies le transport à Jesse. La honte. Donc, tu l'envoyais l'argent. Tu l'envoyais l'argent. Donc, tu frappais à Oko dans le téléphone de Jesse. Donc, tu envoies ton pétou à Jesse. La honte de ça. Il faut assumer les retombées. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. C'est vrai. Ce que Jesse a dit, c'est vrai. Il a ton pétou. C'est vrai, coach Mbrakata, il faut assumer les retombées. Oui. Et tu te doigtages dans le téléphone de Jesse. Oui. Tu envoyais ton pétou à Jesse. Ton pétou est là-bas. Et tu te doigtias. C'est quelle honte. Une femme obèque sans dignité. Femme obèque sans valeur. Il ne faut pas gâter le nom des femmes obèques. Parce que nous, les femmes obèques, on se fait respecter. Une femme obèque se fait respecter. Toi, tu es quel genre de femme roubée? Tu vas venir gâter le nom des femmes roubées que nous sommes. Hein? Tu vas venir gâter le nom des femmes roubées? Une femme roubée sans dignité comme ça, sans valeur, qui ne se fait même pas respecter. Hein? Qui ne se fait pas respecter. C'est quoi ça? Vous aussi, les réseaux sociaux, c'est même pas que vous cherchez quoi? Prenez votre retraite. Vous êtes trop vieille. Attends là. Ah, ma fille. Ah, mon ceci. Ah, tu vas faire amitié avec un enfant qui fait cochléa. Hein? Tu vas
pas fait amitié avec une vendeuse de piments. C'est que vous êtes pareil. Tiens. Non, franchement, je ne crois pas que toi, tu es femme obé. Parce qu'une femme obé se fait respecter. Pour toi, c'est une honte. Tu la fermes. Il t'a mougou.